Je vous écoutais, patron. J'ai entendu tout ce que vous avez dit au sujet de l'affaire et de l'autre chose aussi. Sortez d'ici! Je trouve bien nerveux, le patron. J'ai raté un épisode pendant ma sieste. Notre mission consiste à surveiller le suspect numéro 1 dans le possible futur vol du célèbre tableau La Nonne Musicale, en toute discrétion, bien sûr. Waouh, mais je le connais parfaitement, ce tableau. C'est un chef-d'œuvre. Quand on le regarde, on peut presque entendre le son du banjo. Et qui est le suspect? Pierce Roberts. Sans blague! Pierce Roberts est le plus grand voleur d'art que le monde ait connu. Et personne n'a jamais rien pu prouver contre lui. Un véritable génie du crime. Tu comptes écrire sa biographie ou quoi? Que puis-je faire pour vous, messieurs? Compagnie du téléphone pour vérification de routine. Je crains que vous ne soyez un peu en retard, messieurs. Vos collègues sont déjà au travail. Y aurait-il un problème, Fangborn? Pas du tout, monsieur Roberts. Ces messieurs s'en allaient.
Ace, regarde au bar ces trois jolies brunes filles. Ça t'interpelle pas quelque part au niveau du brin de fille? Si, elles ne sont pas accompagnées. Bien vu. Bonsoir, mesdemoiselles. Mon nom est Dick et voici mon très séduisant, mais néanmoins ami, Ace. Je m'appelle Shelly. Voici Kazer. Et celle-ci, c'est l'autre. Puis-je avoir l'honneur? Allons danser. Dites-moi, mon petit cœur, si vous alliez chauffer la piste pendant que je me concentre. Ouf, j'ai cru qu'elle partirait jamais. À nous deux. Oula, mauvaise pioche. Tu me sers un pire montant? Alors, gueule d'amour, ça s'est bien passé avec Kazé hier soir? Oh, c'est vraiment une fille adorable. Et ses copines, tu en penses quoi? Oui, pour mon genre. Oh, oh. Mais qui sont ces types? J'en sais rien, mais il marche sur nos plates-bandes. Je crois qu'il va falloir qu'on la joue très fine. Oui, peut-être même encore plus fine que ça. Incroyable, je peux pas le croire. On a encore un clown de retard. Ah, vous voulez la guerre? Voici venu le moment de découvrir enfin qui est qui. Merci, Fangbon. Tous ces inspecteurs de police et ces détectives privés m'ont à l'évidence ouvert l'appétit. Monsieur désire-t-il que je m'occupe d'eux? Pas tout de suite, non, non, non. Pas avant qu'ils n'aient trouvé des preuves concrètes. Leur petit jeu m'amuse. La vie est tellement ennuyeuse quand on a tout ce qu'on veut. Je trouve cette histoire palpitante. Vous ne vous amusez pas, Fangbon? D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais été aussi heureux, monsieur. C'est écrit Farley, bureau d'enquête et filature en tout genre. Je crois qu'il est vraiment temps de mettre un terme à tout ce cirque. Oh, oh. Salut les filles. Salut Farley. Alors, ça avance cette enquête? On a réussi à placer un mouchard à l'intérieur de sa maison. Nous n'avons plus qu'à attendre qu'il commette un faux pas. Bien joué les filles, mais cette affaire semble vous prendre plus longtemps que d'habitude. Y aurait-il un problème? On l'aurait déjà résolu depuis longtemps sans ces deux clowns qui nous tournent autour. Encore vous? Oh. Ah, joli déguisement. Les vôtres ne sont pas mal non plus. Surtout ce superbe déguisement de femme comme celui que vous portiez hier soir au Boogie Palace. Chers amis, il est temps de se calmer, de boire un verre et de faire des présentations. Je suis content que tout soit arrangé. On va faire équipe. Désolé, mesdames, je travaille seul. Oui, enfin, je travaille seul, mais avec lui. Vous étiez là. Dans mon bureau immédiatement. Bon,
Voilà comment je vois les choses, capitaine. Il faut avertir le procureur que ces charmantes jeunes filles entravent le cours de la justice. Non, pas question. Quoi? Ce ne sont pas n'importe quel détective privé, ce sont les filles de Farley. Bah, et alors? J'étais dans l'armée avec Farley. C'était un chic type. Le meilleur pilote de la base. Il m'a sauvé la vie. Alors, désolé, messieurs, mais je ne peux rien faire. Tu l'entends bien? 5 sur 5. En tout cas, préparez-vous à bouger. Apparemment, Roberts prépare un nouveau coup. Oh! Oh! Quoi que vous fassiez, c'est une mauvaise idée. Arrêtez tout. Cette affaire est à nous. Ces deux types commencent à me fatiguer. Amenez le coupé devant la porte, Fangbone. Il est temps d'aller travailler. Que le jeu commence. Exactement quoi faire. Je veux que vous agrippiez fermement cette ceinture. Kazé, je sais que tout ça est soudain, mais le fait d'avoir failli vous perdre m'a fait comprendre une chose absolument essentielle. Je ne veux pas vous perdre. Kazé, voulez-vous? Bon, d'accord, peut-être que j'avais tort. Peut-être qu'on peut former une bonne équipe. Mais pour ça, je ne vous demanderai qu'une seule chose. Oui, laquelle? On ne mange pas de chocolat dans ma voiture. Quel chef-d'œuvre! Tu es réellement somptueux. Tu es sans aucun doute le plus beau du monde. Je ressens la même chose. Kazé, j'ai une question à vous poser. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont mes écouteurs. Vos écouteurs me trouvent beau? Non, c'était la voix de Roberts. On a retrouvé sa trace. Prenez la prochaine à gauche. Je crois que nous avons de la visite. Comme c'est amusant. Bonjour, messieurs. Vous me cherchiez? Ah, il m'a mordu. Ah, je le tiens.
aussi. Ah, ça y est, je le tiens. Moi aussi. Oh, ah bah non, c'est pas lui. Ça devient vraiment trop facile. Ne t'en fais pas, les filles l'attendent dehors. Mais qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Vous ne l'avez pas vu? Oh là là, elles sont très fortes. J'ai l'impression que ce Roberts va être dur à prendre la main dans le sac. Peut-être pas. Si on arrive à pénétrer chez lui et qu'on y trouve les tableaux, il est cuit. Ça risque de pas être de la tarte. On a déjà utilisé tous nos déguisements. Oubliez ces déguisements, il y a d'autres solutions. Je dois avouer que j'ai du mal à comprendre votre plan. Comment allez-vous faire pour qu'il nous invite dans son manoir? Oh, pas nous! Juste les filles et moi. Regardez. Voilà, je voulais vous dire, Kazé, je voulais vous dire que j'ai essayé de vous le dire toute la journée. Allez, Kazé, au travail. Oh. Ah, c'est pas vrai! Oh, salut, les filles. Elles sont folles ou quoi? Qu'est-ce qui leur prend de se jeter sur lui comme ça? Mais pourquoi les femmes croient-elles qu'un joli minois leur obtiendra n'importe quoi? Mais elles prennent vraiment les hommes pour des idiots ou quoi? Excusez-moi, mais sans vous importuner, j'ai remarqué que vous aviez l'heure. Pourriez-vous me la donner? Oh! Tiens, prends-la, mon petit chou. Mais attention, hein, c'est de l'heure à 24 carats. On a rendez-vous chez lui pour le dîner demain soir. Oh, mais ça c'est incroyable. Et nous on fait quoi? Eh bien, pendant que nous le distrairons, vous chercherez les tableaux, hein? À plus, les gars. Monsieur, est-il sûr que recevoir ces détectives soit une bonne idée? Oh, voyons, Fangbon. Auriez-vous perdu le sens de l'aventure? Eh bien, ne restez pas plantés là. Faites entrer nos invités. Doucement. J'ai donc décidé d'acheter tout le pays afin de pouvoir me garer où je voulais. Oh. Alors, il paraît que vous avez un hélicoptère? Eh bien, en fait, j'en possède 5. Oh. Un pour chaque manoir. Oh. Chien. Vous êtes en état d'arrestation, Robert! Il s'en va! Je voulais vous dire, Kazé, et il faut vraiment que je vous dise quelque chose. Ah oui, oui.
Ça me rassure de savoir que mes hommes et tes filles sont ensemble sur le terrain. Et moi, donc? Hey, Dobbs. J'ai vraiment pas le temps de vous expliquer, mais... Comme ça, en deux mots, comment on pilote un hélico? Bon sang. Ne vous en faites pas, Dick. Je vais vous aider. Dites-moi simplement où vous êtes. Mais on devrait bientôt passer au-dessus de vous. À peu près, De bon sang! Eh ben heureusement que vous étiez là. Kazé, après tout ce qu'on a vécu ensemble, j'ai compris que la vie était aussi précieuse qu'un hélicoptère est dangereux. J'ai trois petits mots à vous dire, Kazé. Lesquels? Je vous le dirai au prochain épisode.